Dans ce cabinet médical de la région parisienne, la plupart des médecins sont déjà en grève. Le docteur Hamon est l'un des leaders du mouvement. Il ne consulte pas aujourd'hui, mais explique volontiers aux patients de passage sa méfiance envers le tiers payant généralisé. On va faire une réunion d'information aux patients pour leur expliquer quelles vont être les conséquences pour eux. Les médecins doivent attendre après pour être remboursés. Je pense qu'ils doivent avoir des journées assez chargées également comme ça pour ne pas avoir après toute la partie administrative. Autre inquiétude pour ce généraliste, la création d'un système national des données de santé. Une base de données qui rassemblera toutes les informations inscrites sur les feuilles de soins et les actes médicaux. La collecte sera totalement anonyme et doit servir la recherche, mais le docteur Hamon n'y croit pas. On voit que dans cette loi, le secret médical va être violé et que les données médicales vont être données, vont être vendues aux mutuelles et aux assurances. Des médecins ont manifesté partout en France aujourd'hui, à l'image de cette opération escargot menée sur l'autoroute A15. Le mouvement devrait durer jusqu'à mardi, jour du vote de la loi au Sénat.